J1 dans ma maison, première. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entré comme ça un jour, il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien. C'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces, et cela me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin, quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là. Ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes comme ses pieds. Gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est gai quand il est gai, ou triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça, pinson. 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 Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements. Et tu resteras immobile, nu, debout avec ta bouche rouge comme les piments rouges suspendus au mur blanc. Tu te coucheras. Et moi, je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison, qui n'est pas ma maison, tu viendras.